Bonjour, bienvenue sur Chef Ouné TV. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser une sauce Bercy. La sauce Bercy, comme son nom l'indique, Bercy était l'un des quartiers de Paris, près de la gare de Lyon, où étaient regroupés tous les négociants en vin qui approvisionnaient toute la région parisienne. Donc le vin arrivait au départ sur des péniches, puis ensuite par le train à côté de la gare de Lyon. Donc ces négociants en vin mettaient en bouteille le vin et le revendaient bien sûr aux grossistes, aux épiciers, etc. Donc c'est une sauce au vin que je vous propose. Donc la particularité c'est que c'est au vin blanc, contrairement à la sauce marchande vin ou à la sauce bordelaise, mais ces sauces-là sont très proches les unes des autres. L'autre particularité de la sauce Bercy, c'est les herbes. Donc des herbes, surtout l'estragon, qui s'associe très bien avec l'acidité du vin blanc. Donc c'est une sauce qui peut accompagner une viande blanche, une viande rouge, un poisson. On peut même remplacer le fond de veau par du fumé de poisson. Voilà, c'est une sauce très classique. Alors, la petite chose incontournable, c'est la moelle à la fin. Si vous avez de la moelle, moi j'ai cuit mes os à moelle en cuisson basse température, donc très doucement, à 80 degrés, pendant une heure, et vous avez une moelle qui va se décoller après des os très facilement, qui n'a pas complètement fondu, et qui va venir, avec son onctuosité, venir enrichir cette sauce en fin de cuisson. C'est vraiment une sauce suave, gourmande, bref. Allez, je vous laisse regarder la vidéo. N'oubliez pas, donc, si cette vidéo vous a plu, de mettre un pouce, de partager cette recette sur les réseaux sociaux et de vous abonner à Chef Ouné TV si vous ne l'êtes pas. À bientôt. J'ai donc mis une noix de beurre dans ma casserole. Une petite casserole à fond lourd, hein, de préférence. On va mettre tout de suite les échalotes. Donc je les ai ciselées grossièrement. J'aurais pu faire plus fin. Mais j'aime bien retrouver des petits bouts. On va baisser un peu parce qu'il ne faut pas que ça colore. Voilà, donc on va laisser suer à peu près 2-3 minutes, pas plus, hein. En fait, le départ de cette sauce, c'est exactement un peu comme la sauce bordelaise. La seule différence, c'est qu'au lieu de mouiller avec du vin rouge, on va mouiller avec du vin blanc. Sinon, les ingrédients sont très proches. Vous avez donc du fond de veau, du vin blanc, de l'échalote, donc... des herbes, alors là j'ai du persil haché avec de l'estragon frais haché. Et en finition, des petits dés de moelle. On va déglacer au vin blanc. Alors là on est généreux, hein, comme une bordelaise. On va mettre au moins 30 centilitres de vin blanc. On va bien laisser réduire au moins pendant 10 minutes. Cela a bien réduit, on va ajouter le fond de veau. On va laisser reprendre ébullition, on va laisser encore réduire 5-6 minutes. Donc c'était du fond de veau lyophilisé. Quand vous avez l'occasion et si vous avez le courage de faire des vrais fonds de veau, c'est évident que ça sera bien sûr meilleur. Donc là, on va laisser réduire légèrement. Si vous voyez que c'est trop lié, ben, rajoutez un petit peu d'eau. Et à la fin de la cuisson, on rajoutera les herbes. Et enfin, au final, la moelle. Alors c'est une sauce aussi qu'on peut monter au beurre. Voyez, il y a déjà une très belle liaison. En
on va ajouter donc les herbes. Généreux. Même en rajouter encore un petit peu. On va saler, poivrer, poivre noir, on va goûter. C'est bien salé. Une petite pointe d'acidité, mais très discrète, due au vin. On sent les herbes, on sent l'échalote. Il ne manque plus que la moelle. Que voilà. Donc je l'ai fait tiédir un petit peu pour pouvoir la détailler en petits morceaux. Voilà, elle va fondre dans la sauce, elle va donner l'onctuosité. Moi, à la limite, une sauce comme celle-ci, je ne la monte pas au beurre. Pour moi, c'est la moelle qui donne tout l'onctuosité. Donc là, j'ai mis la valeur de 2 os à moelle. On va goûter avec une cuillère propre. Avec un petit bout de moelle. J'arrive à en attraper un. Ah, c'est génial. Là, c'est parfait. Donc, on va la réserver au chaud. Et on la goûtera après avec la viande.